un torticolis. Bonjour les filles. Alors c'est vous qui prépare pour le trophée jeune talent? Ouais. Non, Pauline. Bah j'ai 16 ans. C'est la première fois que tu fais le trophée? Moi c'est Alexandra. La première fois pareil? Ouais. J'ai. C'est la première fois que je fais le trophée jeune talent. Bonjour Germain. Bonjour Madre. Alors tu participes au trophée? Ouais. Alors tu es un jeune talent alors? Un vieux talent moi maintenant. Ça fait longtemps que je ne suis plus jeune. Mais ouais, donc je vais participer au trophée jeune talent et puis essayer de proposer mon talent, ce que j'en espère, un peu de magie quoi. Donc puisque je propose pendant les vacances scolaires des ateliers magie pour les plus jeunes. En tant qu'animateur? En tant qu'animateur ONG. Ça sera l'occasion de se présenter pour le public qui ne te connaît pas? Exactement, pour ceux qui seraient intéressés par la magie, qui seraient présents par là, ben, ça pourrait être l'occasion. Voilà. De découvrir un peu de magie, et il me semble même que parmi les jeunes talents, il y a quelques magiciens qui seront là. Stéphane ou Stéphane? Stéphane. Stéphane, je crois qu'il a 13 ans. 13 ans, très bon magicien, très bon cartoman, amateur de close-up. La preuve que tu as bien acheté dans le jeu, c'est que tu l'as acheté, mais tu pouvais écouter. C'est quoi ça? Ça va faire un voilà. Donc si vous voulez voir mieux, bah, venez au trophée Jeune Talent et venez voir Stéphane et moi-même le 19 décembre dès 18h à la maison de quartier de Pierre Lédé. Alors, qui vous êtes pour la répétition, pour tout cela? Marino. C'est qui Marino? L'animatrice. C'est parti. Là, les filles, c'est tout. Je fais tout comme elle. Tout. Sérieuse, volontaire, elles ont grave envie de réussir, donc moi j'ai confiance en elles. Et c'est quoi le but en fait pour vous, en tant qu'animatrice? En tant qu'animatrice, c'est qu'elles se fassent plaisir et qu'elles trouvent le moyen de se défouler sur, sur la scène. Voilà. Et l'important de se trouver pour vous, si il est important pour vous, en tant qu'animateur? C'est un projet qui est vraiment très bien pour les jeunes et qui donne envie. Ils ont plein de talents, et ça peut être des talents divers. 22 19 décembre à Carole. Yes, parfait. Ciao.